Là, avec les pieds. Si on le tuait. Ouais. Tuons-le. Oh la vache. Et regardez le commissaire. Encore lui. Jekyll. Ouais. J'ai appelé l'ambulance. Ok. Oh la vache. Encore une fois. Toujours les mêmes. Analysez-moi ça au labo. Pas de soucis. Aidez-moi de retourner. Doucement. Eric. Ouais, mais... Ah, oui, quoi? Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Il a laissé de l'ADN sur la feuille en dessinant. Avec le stress de la situation, il a dû faire sûrement tomber une goutte de sueur sur la feuille. Le fragment est sûrement très infime, mais... Alors... Oh. Que se passe-t-il, Gontran? C'est très étrange. Il... Pas dans la base de données, mais dans celle d'un hôpital psychiatrique. Pas de nom, pas d'âge, pas de prénom, juste un surnom. À domicile? Même pas. Mais quel est son surnom? Dites-nous. Christo. Christo. Il doit bien avoir une autre famille, quelque chose. Franchement, rien. Il est atteint de schizophrénie, mais rien de plus. La schizophrénie, ouais, ça devrait expliquer le fameux dessin de double tête. Vous avez des photos? Rien du tout. C'est très étrange. Il est marqué qu'un jour, une fourgonnette noire l'a déposé devant le centre hospitalier.
La fourgonnette n'avait pas de plaque d'immatriculation, elle est repartie aussitôt. Christo parle couramment le français, mais il n'a rien dit sur son passé. Effectivement. Excusez-moi. Allô? Oui. J'arrive tout de suite. C'est qui? Rendez-vous urgent. C'est qui? Faut pas la faire dans l'autre sens. Reviens vite. Bonne chance, les gars. Ouais. Merci. Alors, on a quoi? Bah, on en a pour beaucoup de travail. Alors, petite ordure. Tu vas regretter d'avoir violé tous ces jours. Je t'ai rendu encore en premier. La tête, les couilles ou les deux rotules. Ta gueule! Anne-moi. Allô? Ouais, c'est fait. Alors, tu l'as? Non. Comment tu l'as ça? Pas. Il commence à être en rupture de stock, tu sais. Tu l'as pas? Je t'avais dit de me ramener cette merde. On lui serait caché un inspecteur ici. Je veux t'exploser. Tout le monde me connaît. Allez, ça. Allez, ça. Tout le monde me connaît ici. Il commence à se demander quoi dans les pharmacies. Ce médicament n'est pas répandu. C'est fait pour les gens comme toi, donc. Comment ça se demander quoi, ils seront que je suis de méchant avec toi. Je dois y aller. Quand est-ce que tu vas me ramener cette merde? T'inquiète pas, je vais en trouver, je te rassure, tu ne t'en fais pas. Des merdes! Oui, j'y vais tout de suite. Bonjour. Bonjour. C'est ce que j'ai fait cette nuit, du bord du trésor comme d'hab. C'est. Il est pas là, Jekyll? Non, donc j'ai le convoqué après. Jusqu'à 4h30 m'a fait bosser, 4h30. Pas le bol de ces insultes. Bon, je vais étudier votre dossier. Ouais. Je vais envoyer le mien par mail. T'es gentil. Sur un directeur en bas. Donc, je vais aller en bas. Vous pouvez disposer. Ah, je suis fier et me recoucher, moi. On va voir sûrement au début d'après-midi, d'accord? Ok, ça marche. Bon, allez, bonne journée. Bonne journée. Salut, Jekyll. Salut, bon temps. Asseyez-vous. Ouais, c'est bon, quoi. Jekyll, voilà. Vous êtes du retard, encore un coup. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oh, excusez-moi, une affaire à régler hier soir avec un ami. Une affaire à régler hier soir? Et vous avez quand même laissé Lucas travailler jusqu'à 4h au matin? Ouais, effectivement, j'ai laissé travailler Gontran hier jusqu'à 14h du matin. Je trouve ça inadmissible. Eric est mort, on sait que c'est toi qui l'as tué! Je pensais que c'était la police qui était tout devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? On les fracasse? Fuck.
Tes dossiers terminés. Bonjour. 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 Petit fil, ça va? Ouais. Contre un commissaire. Du nouveau. Pas du joli, joli. C'est un rapport du légiste. Assez, vous comprenez. Ouais, tout de suite. Alors, c'est vraiment pas du joli, joli. Je vais vous lire le rapport du légiste. Grouillez, grouillez. Il capture ses victimes. Ouais. Il les tabasse jusqu'à qu'il perd conscience, puis il les torture durant un moment. Et ensuite? C'est marqué qu'il les assassine froidement. Ouais, ouais, comme on a vu sur la première scène. Coup de couteau dans la nuque. Ouais. Pour les achever comme des bêtes. Il est peut-être pas conscient de ce qu'il fait réellement. Hein? Est-ce que vous savez des choses qu'on ne saurait pas? Non, pas vraiment. C'est juste que... On a vu que c'est une personne atteinte de schizophrénie, peut-être qu'il se rend pas compte de ce qu'il fait vraiment. Mais vous allez perdre la tête, Jekyll! Non, mais je dis juste que cet homme est atteint. Calmez-vous! Attends, excusez-moi. Allô? Oui, où? Là, tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'air de compte. Parfait, si, je vais aller voir qui se bouge là. Jekyll, attendez. Contrôle, vous allez sortir aussi. Faites confiance. Ah, moi, la prochaine, je suis pas sûr. N'essaie même pas de me suivre. T'as un mec que t'as tué! T'as un mec! On fait que parler de ça! On... Écoute-moi bien. Si tu m'as pas mis cette place à toi, j'ai qui là? Dépêchez-vous, je vais avoir une compression de chichis.